Yo les Croustis, bienvenue sur Crousty TV, en direct de la rack mobile. Donc on prépare les Geek and Chain, et là je vais à la gare de Lorraine TGV. Ouais, je vous balance toutes les infos. Et... bref, Lorraine TGV, je vais chercher Genzo. Wouh! J'ai trouvé le Genz. Regardez, il est là-bas. Il est perdu, il sait pas où aller. Ah, Genz, prends la rampe! Yeah! Yo mon Genz, ça baigne? Oh putain! Qu'est-ce que tu fais? Bah je prends de l'eau! Hein? De l'eau, tu sais, pour la convention! Mais what the fuck? Bah quoi? Non? Pardon. Bah ouais? Pardon. De l'eau! De l'eau. Pardon, pardon. On va prendre la bière alors. Ouais. C'est parti. On est beaucoup trop près là. J'ai pas... non. Ah. Comme ça? Ok. Yo. Bonsoir. Ouais, si, c'est le soir. C'est le soir. Ouais. On a les munitions. Ça, c'est bon. Maintenant, on a chargé le camion. Là, comme ça. Wow. Oh, le camion, oui, le camion de location. Parce que, ouais, les types, ça sert aussi un petit peu à ça. Mais c'est surtout la bière avant, hein. Mais bon, là, le camion, quand même, c'est pratique. Si bon, il n'y a pas les logos, on va pas faire de placement de produits. Faut qu'on achète des logos magnétiques. Ouais, logos magnétiques, les Crousty. Les gars, faut plus de types, faut qu'on achète un logo magnétique. Balancez le pognon. Pardon. Voilà, bah bref, c'est... et il y en a des trucs quand même un petit peu... C'est chargé plus ou moins à la One Again. Mais ça passe. Normalement, tout devrait arriver. En l'état. En un ou plusieurs tas, voilà. Ok, donc voilà, on se retrouve... On the road again, just can't wait to get on the road again. With my friend, je chante des chansons que je connais pas. Pardon, au revoir. L'heure est à la piraterie, donc on continue au rhum. Hey. Yeah. Non, je rigole, ça se passe pour moi, j'ai un verre. Et pendant que le grand tirait. Écoute, santé. Tu mets pas les pieds, voilà, tu peux faire des vannes de merde. Ok. Non, mais je continue sur ma lancée. Hein. Vous en voulez des blagues de merde qui datent des années 40? Alors. T'as vu le beau contre-jour quand même? Comment ouais. Ça va les couilles? Mais en vas-y. Même temps, ça évite qu'on voit trop ma tête de fou. Vous avez vu, j'ai une dinette. Ouais. Alors, le plus fascinant, c'est de le voir jouer avec. Je t'avais dit, on disait pas ça, putain, tu fais chier. Ouais, ouais, vas-y. Tu sais ce qui est. Et donc il a ses petites... Non, mais tu parlais de tes trucs là. C'est ah, vrai. Non, mes vannes des années 40 mmh. Non, mais ça demande à mon père, il est plus spécialisé sur le domaine. D'accord, donc on invite ton père sur une vidéo. Non, arrête, non, fais pas ça. Ce serait... Non. Eh tu... Vous en pensez quoi dans les commentaires? Toi-même, tu connais mon père, tu sais que c'est très dangereux de faire ça. Ouais. C'est dans les commentaires. Le père de Genzo, si vous voulez ou pas. Et si vraiment vous voulez, je vous assure qu'on mettra les moyens en place, mais on fera une vidéo avec le père de Genzo. Faites pas ça. Avec Michel. Ce serait une vidéo raquée, Michel. Bon. Ah, tu filmes. Ouais, carrément. Ah, ouais, ouais. Il pose comme un con. Ouais, il pose, il regarde pas la route. Et voilà, c'est parti, on est sur la route pour Mulhouse. Enfin, je dis c'est parti, ça fait déjà. Ouais, je crois que ça fait une heure qu'on roule. Donc il nous reste là, il nous reste 1h34. Les bus d'enfoirés à côté, ils conduisent pas, je me tape toute la route. Et sinon, ça va, on écoute la zik. Demi York and Firewalk. Ouais. Pardon. Mais sinon, il fait beau.
On a le beau temps. Je pense qu'à Milhouse, ça va être pareil. Que je pense qu'on va être bien. Que je pense que. Je viens de dire 23 fois, je pense que. Ouais. Mais je pense beaucoup en fait. Non. Je suis le penseur. Donc on va se retrouver là-bas pour le montage. Voilà. Et puis la bière. Ouais. Parce que voilà, c'est une convention quoi. Et puis pouvoir fumer une clope parce que putain de camion de location de merde. Bah c'est moche. Allez à toutes. Bon bah première pause hein, parce qu'en fait le Gens bah, il a pas réussi à tenir sans fumer hein. Non mais si on déconne, ouais. 3 heures de route sans fumer, vous êtes pas bien les gens. Ah, en même temps moi je suis un traître. Ouais j'ai ça. Mais ouais, en plus le mec il vapote à côté de moi dans le Gentart. Bah je suis à fait tourner, hein, je suis pas comme ça. Hein. Non, je sais pas ce qu'il y a dans ton truc. Quoi. Sinon on s'est arrêté bah, à l'arrache au bord de la route à Nick Saver. Et puis on a là-bas, là comme ça, ici. Il y a Gens. Et il y a des vaches. Ouais. Non, il y a une vache et un cheval. Ah putain, j'avais pas le vu. Le blanc, c'est un cheval, ouais. Donc voilà, on a un couple totalement improbable, mais moi je dis vive la mixité. La mixité, voilà, vive, c'est beau. C'est beau. Vive, voilà, l'inter-espèce, tout va très bien. Eh, hey, t'as un beau t-shirt, j'avais pas vu. Merci, j'adore le tien aussi. Ouais. Voilà. Bon, il est à l'envers, mais. Non, mais pour de vrai, il est pas à l'envers, c'est la caméra qui fait ça, hein, bande de nage. Ben voilà, sinon on est perdu au fin fond de la race campagne. Ah, on n'est pas perdu, hein, on sait où on est. Il nous reste une heure de route. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'a pas tenu bien longtemps à partir du moment où il s'en est plein. En même temps, je vous emmerde. C'est bien, c'est très poli, ça. C'est bien. Oh, pardon, c'est vrai bien. Que c'est les gens qui nous suivent. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur et je ne suis pas focus du tout dans la vie. Voilà, parce que je te rappelle qu'on a perdu 6 likes suite au dernier live. Ouais mais parce que. Bon on s'en fout un peu mais on va éviter l'hémorragie quand même tu vois. Je vais pas dire ce que je pense parce qu'on va encore perdre des likes alors. Bah ceux qui s'en vont c'est pas les vrais fans, ils ont pas compris l'esprit. Voilà. Mais c'est pas grave, on compte pas après les likes. Il y a d'autres teams à suivre hein, au pire, hein. N'en faites pas. Bon, voilà. Bah, allez, à plus tard. Bisous. Galileo. Galileo, 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 Voilà, donc petite technique de flemmard quand vous avez un petit impact blanc comme ça qui s'est fait lors du transport de votre décor et que vous vous retrouvez comme un con. Vous prenez un tout petit point. Voilà. Et la technique de crevard. Ça marchait mieux là. Là on voit trop, je vais le retoucher, mais là. Allez le diluer, un petit peu. Voilà, on peut avoir un petit coup de flotte à la limite.
Ça fait le job. Ah ouais, de toute façon c'est derrière, on voit pas. Allez. Emballez, c'est pesé. Bon, encore un peu de rangement, mais globalement, ça va, on est bien. Donc voilà, passage chauffeur qui galère, c'est bon, on y arrive. Eh ben on est samedi matin, je pense qu'on a bien dormi. Hello. Et là on se rend à la convention. Donc il y a Victor, c'est lui qui nous a gentiment invité, qui s'occupe de nous. Le mec est adorable, Geek & Chain adorable, pour l'instant ça se passe super bien. Ah, pour l'instant, ça vient de commencer. Hein. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Donc sinon, au calme, ce matin, on a pris le petit déj avec la voix française de Morgan Freeman, donc il s'appelle Benoît Hellman. Voilà, c'est juste mortel, le mec qui te parle, t'es complètement déstabilisé. C'est une crème. Et ouais, adorable. Donc c'était cool, là, pour l'instant, ça commence bien. Ça caillosse un petit peu, là, ce matin, il doit faire genre 16 degrés, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va se chauffer après. Puis il va y avoir du monde dans la salle, ça va être bien. Voilà, il y a des binous. Vous voyez les mecs, ils nous encouragent. Après on dit c'est nous, mais tout le monde nous pousse à ça. Tout le monde. Donc c'est parti maintenant, petite traversée de Mulhouse pour arriver là-bas. Et puis on se pose sur le stand, on va faire un petit peu la poussière sur les tuyaux. Ouais, avant que Genzo l'engueule. Ouais, sinon il va me friter l'enfoiré. Allez, c'est parti. Yeah.